niveau économique, c'est sans compte, c'est une vraie chance pour Poitiers. Vous avez 3000 congressistes, vous avez un panier moyen en général de 200 euros par congressiste, donc faites le calcul vous-même. Vous allez voir les retombées économiques pour la ville en termes hôteliers, en termes de restauration, en termes de traiteurs, et y compris d'autres entreprises. Donc ça, c'est une première chance. La deuxième chance, c'est effectivement en termes médiatiques, parce qu'on va parler de Poitiers dans les semaines qui viennent et jusqu'au mois de juin, continuellement. Et puis la troisième chance, c'est effectivement une chance parce que Poitiers va être la capitale politique au début juin de toute la France.